giờ chia tay lần cuối gượng cười, mà nghe tim đớn đau xa. Avec une carrière hollywoodienne de plus d'un demi-siècle, John Wayne est devenu une icône de l'Ouest sauvage. Mais après sa mort, sa tombe est restée anonyme pendant des décennies, ce qui n'a pas manqué de susciter des interrogations. John Wayne était l'une des plus grandes stars hollywoodiennes de tous les temps. L'acteur était principalement connu pour ses multiples apparitions dans les westerns. Mais surtout, ses fans l'aimaient parce qu'il prenait le temps de répondre sans relâche à chacun de leurs courriers, ce qui est rare chez les vedettes d'Hollywood. L'acteur de Lady for a Night a eu une carrière d'acteur couronne de succès, avec plus de 100 films et un Oscar à son nom. Loin des écrans, Wayne était un père de famille, avec 7 enfants. Marié à sa première femme, Joséphine Lichesez, en 1933, le couple a eu 4 enfants, Melinda Wayne, Michelle Wayne, Patrick Wayne et Marie-Antoinette Wayne. Le mariage s'est terminé en 1945, et il a eu 3 autres enfants, Aïssa Wayne, Marissa Wayne et Johnson Wayne, avec sa troisième épouse, Pilar Palette. Il était un père attentionné pour ses enfants, et pendant les années qui ont suivi sa mort, ils se sont efforcés de garder ses souvenirs et son héritage bien vivant. John Wayne lisant une bande dessinée Prince Valiant avec ses 4 enfants Patrick, Melinda, Tony et Michelle à Hollywood, Californie en 1942. Source. J'ai l'image Wayne est décédé d'un cancer de l'estomac après une carrière aussi en tant que héros américain sans état d'âme dans plus de 200 films de western. Il s'était inscrit à une étude sur un vaccin contre le cancer pour lutter contre la maladie. Malheureusement, le 11 juin 1979, l'acteur acclama succombe à la maladie alors qu'il se trouvait au centre médical de l'UCLA. Il a été enterré au cimetière Pacific View Memorial Park de Newport Beach, sur une colline offrant une vue sur l'océan, un endroit qui reste secret pendant des décennies. Pendant des années, l'emplacement de sa tombe reste un mystère pour beaucoup, car les gardes ont empêché les fans d'assister à ses funérailles. Ses funérailles se sont déroulées dans l'intimité, et sa tombe reste anonyme durant 2 décennies. Portrait de John Wayne en studio, habillé en western, la tête tourne vers le côté, datant de 1955 environ. Source. J'ai image par respect pour la famille du défunt, le cimetière n'a jamais révélé l'emplacement de sa tombe. Néanmoins, ceux qui maîtrisent les ficelles d'Internet peuvent facilement suivre un guide indiquant, étape par étape, l'endroit exact où le duc a été enterré. Jim Tipton, qui gère un site web consacré à la recherche des tombes de personnes célèbres, affirme que plus de 7000 personnes ont visité son site web pour tenter de trouver la dernière demeure de Wayne en l'espace de 6 semaines. Il ne s'agit pas de quelque chose de macabre, de morbide. Plutôt de se souvenir de la personne telle qu'elle a vécu. C'est parce que vous respectez la personne et sa vie. L'acteur américain John Wayne sur le tournage du film The Fighting Kentuckian. J'ai image la mémoire de Wayne ne se limite pas à l'impact considerable qu'il a eu sur la vie des gens grâce à ses films. Ses enfants gardent ses souvenirs très chers alors ses droits d'auteur et l'honneur pour le père merveilleux qu'il était. Wayne se souvient d'un père affectueux qui le prenait toujours dans ses bras, l'embrassait sur la tête et lui disait qu'il l'aimait. Les autres enfants se souviennent de la gentillesse et de l'amour de leur père, chacun racontant comment il a influencé leur vie par ses moindres actions. Il jouait notamment au golf avec eux et les emmenait avec lui sur le plateau de tournage de ses films. Portrait de l'acteur américain John Wayne, une cigarette à la main, alors qu'il se détend,
Les pieds sur l'accoudoir d'un canopy, dans les années 1950. Source. Getty Images. Sa présence en tant que père n'est qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles ses enfants ont pris sa défense lorsqu'il a été critique pour avoir dit clair qu'il croyait en la suprématie blanche lors d'une interview accordée au magazine Playboy, en 1971. Bien que ses propos sur le sujet suscitent la controverse dans de nombreux milieux, ses enfants l'ont défendu. Ils ont expliqué qu'il était avant tout une personne qui faisait preuve d'humanité et tout sauf en raciste. La fameuse interview controverse a refait surface. Mary Servanen a pas hésité à sauver elle, honneur de son père. Il avait la capacité de voir les deux côtés de l'histoire, a-t-elle dit Claire dans les colonnes de Closet Weekly. L'acteur américain John Venn, dans une scène de Eldorado, 1967. Source. Getty Images. Et Sana révèle que Venn jugeait chaque personne individuellement et qu'il croyait en l'égalité des chances pour tous. Il a rappelé que Venn avait embauché et travaille avec des personnes de toutes orientations sexuelles, de toutes croyances et de toutes races, afin de mettre son point de vue en perspective. Aujourd'hui, le lieu de repos du duc est marqué paragraphe une plaque de bronze le représentant à cheval, avec un drapeau américain valsant au gré du vent. Sur la plaque figure une citation tirée de sa triste interview dans Playboy. L'une des sépultures les plus célèbres du comte d'Orange est celle de John Venn, dont la pierre tombale est ornée d'une rose fraîche au Pacific View Memorial Park de Newport Beach. Getty Images. Son fils Ethan explique qu'ils n'ont pas voulu faire de sanctuaire parce qu'ils voulaient qu'il repose en paix. Il explique également qu'ils ont pris cette décision par respect pour les autres personnes dont les proches sont en terre à cet endroit, car aucun individu ne souhaiterait que les tombes de ses proches soient piétinées. Aussi, il admet qu'il a trouvé des fleurs sur la tombe de Venn à de nombreuses reprises, ce qui indique que, même presque longtemps après sa mort, ses fans se souviennent toujours de lui et honorent sa mémoire. Lire aussi. Pierce Brosnan est un vrai fils protecteur, il rend visite à sa mère de 89 ans avec des fleurs et l'emmène déjeuner pour lire davantage des articles sur vos stars préférées. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.